trois stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, dont un centrafricain et un personnel policier féminin, ont reçu vendredi 15 juillet 2022 leur brevet d'enseignement militaire supérieur. Les centres supérieurs militaires situés au quartier Mizaozone dans la commune de Ngaliema, qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre de Défense nationale et des anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda Kurunga. Au nom du président de la République, chef d'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Dans son nom des circonstances, le docteur Gilbert Kabanda Kurunga a félicité les lauréats pour leur réussite et remercié les encadreurs pour le sens d'abrégation et de professionnalisme auxquels ils ont formé et continueront à former les promotions à venir. Il a également remercié la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Le ministre a enfin rendu un vibrant hommage au président de la République pour la détermination et restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national avant de déclarer close l'année académique 2021-2022 et ouverte pour la même occasion l'année académique 2022-2023. Chers lauréats, alors que nous célébrons la fin de votre formation, recevez au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, celui du gouvernement et au mien propre, toutes nos félicitations. Sur ce mot, je déclare l'année académique 2021-2022 par la même occasion. Je déclare ouverte l'année académique de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Je bénisse la République démocratique du Congo, vise la coopération avec les France. Auparavant, le commandant général des écoles militaires, le lieutenant-général Banzelou Bondjou Dieudonné, a souhaité la bienvenue à toutes les autorités invitées à la cérémonie et salué les partenariats militaires entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces amies. Il a aussi félicité les lauréats pour leur assiduité au cours et leur a demandé de s'approprier et de mettre en pratique les notions apprises. Le partenariat militaire initié par l'autorité suprême entre notre armée et les forces amies. En effet, le volet formation militaire me semble attirer beaucoup de pays amis, dont les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France en cette équipe, qui évolue avec nous à Kinshasa, tant avec l'école de guerre de Kinshasa qu'avec d'autres écoles. À propos, grâce au partenariat, les éléments français au Gabon viennent régulièrement en détachement d'instruction opérationnelle IO et en mission commune aux forces armées, MIFA, dans nos centres de formation. Ainsi donc, je souhaite la bienvenue à la communauté française pour la présence de l'ambassadeur en tête et remarquable à la tribune. Avant de terminer mon propos, je m'adresse à vous, le représenté de la deuxième promotion. Je vous félicite d'abord pour votre activité au collectif et vous rappelle que tantôt, parlant de la présence du commandant suprême plusieurs fois dans nos écoles, j'ai souligné le fait que cette présence nous interpellait tous, vous également. Je vous reviens donc dorénavant de vous approprier et de mettre en pratique le bagage intellectuel militaire acquis et l'expertise reçue dans vos voyages d'études. Appliquez désormais les plans stratégiques et tactiques en respectant les méthodes de raisonnement enseignées et vous ferez œuvre utile. Soyez donc fiers de ce que vous êtes devenus et profitez-en à fond pendant cette belle journée exceptionnelle vous dédiée. Prenant la parole, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbalamou Sensé Célestin, a d'abord exprimé son honneur de s'adresser à l'assistance à l'occasion de la dite cérémonie et appeler les missions de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que les capacités reconnues aux récipiendaires de cette école. Il a ensuite manifesté sa gratitude à la coopération militaire française pour la contribution à la formation de cette école et annoncé les possibilités de doter l'école de guerre de Kinshasa de ses propres infrastructures. Le chef d'état-major général a enfin loué les efforts déployés par les encadreurs des stagiaires pour assurer la formation. Il a également invité les lauréats d'entretenir et de renforcer quotidiennement leurs capacités. Je vais adresser un mot au cadre encadreur de l'école de guerre de Kinshasa
et aux finalistes de la deuxième promotion. Tout d'abord au cadre de l'école de guerre de Kinshasa. Une lourde et noble tâche vous a été confiée, celle d'encadrer et d'assurer la formation des stagiaires. Votre courage, abnégation, détermination et discipline a permis de conduire à bien cette scolarité et vous continuez de mériter davantage la confiance de la hiérarchie. Je compte sur vous pour assumer vos responsabilités pour les prochaines promotions. Chers lauréats, voilà qu'aujourd'hui, après vous être baignés dans la vision de l'excellence, incarnée aussi par l'école des guerres de Kinshasa, vous êtes désormais inscrits à la crème des opérationnels dans le cadre des réponses à toutes les questions de guerre. Vous comprenez maintenant l'environnement et les enjeux des conflits actuels et à venir. Votre assiduité et la discipline vous ont permis de maîtriser la planification et la conduite des opérations. Si nous voulons que nos armées soient victorieuses, nous devons nous mettre dans l'obligation d'anticiper la victoire par des réflexions stratégiques desquelles nous devons tous nous nourrir dès à présent. Pour M. Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, c'était un honneur de représenter son pays à cette cérémonie de la clôture de la session de l'école de guerre à Kinshasa. Selon lui, la deuxième formation qui est à l'honneur aujourd'hui a fait un cycle complet de formation, a saisi l'occasion pour confirmer la capacité à la République démocratique du Congo de se doter d'une école de formation de haut niveau au profit de ses officiers supérieurs. C'est ainsi qu'il a adressé ses remerciements aux cadres et leur implication dans la réussite de ce projet et aux lauréats pour le travail et leur succès. De son côté, le général de brigade Moulange Nawej Godefroy a quant à lui présenté les rapports académiques et procédé à la proclamation des résultats. Après débat et délibération conformément aux exigences en vigueur, l'école de guerre a pris les décisions suivantes. La réussite à l'école de guerre est conditionnée par l'obtention de la moyenne générale de 50% minimum. Les autres étapes sont soumises à la délibération. L'obtention de la note caractérielle en dessous de 40%, soit en dessous de 8,20, entraîne l'échec, peu importe la moyenne générale obtenue. Les résultats se présentent de la manière suivante. Sur 25 stagiaires inscrits, 23 ont réussi 92% des réussites suivant la classification SIAP. Grande distinction, néant, distinction, droit, satisfaction, 20. Certificat de participation aux enseignements du niveau gratuit. 2. À présent, nous invitons très respectueusement son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale, à bien vouloir prendre place pour la remise des brevets et insignes aux lauréats et le cadeau au premier de son excellence, monsieur le président de la République, et au deuxième, colonel Ben Kipusa Mouliri Koli, en place. Colonel Ben Kioumou Romponda Serge. À l'issue de la cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autorités, tant politiques que militaires, quelques lauréats ont livré leur impression. Je ne peux pas m'adresser à la femme policière seule. C'est cette école qui nous apprend l'importance de la mutualisation des forces et des forces. Et vous allez comprendre, quand vous passez par l'école de guerre de Kinshasa, vous saurez anticiper les événements, vous saurez organiser votre unité. Particulièrement, la formation au niveau de l'école de guerre de Kinshasa, c'est une formation qui est au même niveau que les autres écoles de la région. Je parle de la région, je fais allusion en Afrique. La vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, a présidé ce lundi 18 juillet 2022 au Collège des hautes études des stratégies et des défenses Thiès de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la CEAC et la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, cette réunion se tient au moment où la paix, la sécurité
et la stabilité sont mises à mal, mettant ainsi la CAC face à ses responsabilités et face à l'histoire. La recherche de solutions à ces défis, dans le cadre du COPAS qui nous réunit ce jour, demeure une priorité de priorité. Qu'au nom de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, que je déclare ouvert les travaux de la réunion des chefs d'État-major généraux, commandants en chef, directeurs généraux de police et de gendarmerie, aux responsables des ministères du COPAS. Sept chefs d'état-major généraux des délégations ont pris part à ces travaux qui visent à préparer la rencontre des chefs d'état des pays membres de la CEAC. À Kinshasa, la clôture de ces travaux interviendra dans les heures qui suivent. Le lieutenant-général Kaoumbou Yankole Isidore, secrétaire général à la Défense, s'est entretenu le jeudi 14 juillet 2022 avec tous les attachés de défense des pays accrédités en RDC. Cette rencontre s'est déroulée au Collège des hautes études de stratégie et de défense situé sur l'avenue des forces armées dans la commune de la Gombe. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Dans son nom des circonstances, le lieutenant-général Kaoumbou Yankole Isidore a de prime abord remercié les attachés de défense de pays accrédités en RDC pour avoir répondu à son invitation. Il a par la suite rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, la RDC bénéficie de l'assistance des pays dont sont membres ses attachés de défense. Le secrétaire général à la Défense a salué à sa juste valeur les renforcements de la coopération militaire avec ses pays partenaires qui représentent ses attachés de défense et les a invités à mettre chacun d'eux la main à la pâte pour relever les défis sur la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Je vais de tout cœur vous remercier pour avoir tous répondu à cette invitation. S'il y a la paix là où vous demeurez, vous aurez aussi la paix. Mais s'il y a l'insécurité là où vous restez, c'est une menace pour vous aussi. Donc nous avons intérêt à travailler la main dans la main pour procurer la paix à nos populations et cette paix est pour nous-mêmes aussi. Les problèmes de la République démocratique du Congo sont multiples, certes. Les tueries à l'est par des groupes armés nationaux dénombrés à plus de 100 et autres forces négatives étrangères. On peut citer les ADF, qui sont des terroristes ougandais, et les FDLR, des terroristes rwandais, opérant tous, surtout aux environs de Beni, Bunia, Goma, Bukavu, Kalemie. L'agitation politique, les viols perpétrés contre nos enfants, nos mamans, ne nous laissent pas indifférents. Ce dont nous vous invitons chacun de nous à mettre la main à la pâte, pour qu'ensemble nous levions ces défis de la sécurité et de la paix. Et voilà, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite bon séjour chez nous et bon travail, bonne coopération. Nos portes sont toujours ouvertes pour que vous trouviez solution à toute préoccupation qui concerne les attachés. Dans son point de situation, le général des brigades Chinyambo John a évoqué la résurgence des M23 dont les alliés sont parmi les pays de la sous-région des Grands Lacs qui infligent la souffrance à la RDC. Se souviendra qu'il y a même un groupe qui est des FDLR, qui est aussi un groupe terroriste. Donc il n'y a pas que les ADF et les M23. Dans quelles circonstances un groupe peut être identifié, peut être qualifié comme un groupe terroriste, c'est lorsque ce groupe-là dépasse au monde opératoire, s'attaque aux populations civiles, recrute en rôle des mineurs, ne respecte pas des règles et des lois, il ne respecte pas les droits de la guerre, il commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, comme ils sont en train de le faire dans les Mouchou, sont en train de tuer des civils innocents, ils ont recruté des mineurs. Il y a d'autres parmi eux qui ont commis des massacres depuis une dizaine d'années et sont recherchés par la justice militaire. Et donc, comme un groupe criminel comme celui-là
se donne à abattre même les avions des missions des Nations Unies. Et donc, je ne sais pas, ceux qui sont juristes, plus que moi qui sont dans la salle, comment on peut qualifier les bandits, les groupes qui opèrent dans avec ce comportement-là, comment on peut les qualifier si ce n'est pas un groupe terroriste. Mais bien entendu, c'est aussi, lorsque, je pense que vous avez suivi, certainement que la République démocratique du Congo a qualifié le M23 de groupe terroriste de par son mode opératoire, de par les actes qui posent sur le terrain, il n'est pas différent d'un groupe terroriste. Parce qu'ils s'attaquent aux populations civiles, ils n'expliquent pas les règles, ils attaquent les hôpitaux, ils attaquent les écoles militaires. Vous avez même les enfants de 6 à 7 ans qui ont été éventrés, les écoles attaquées. Et les gens qui font ça, je pense qu'il n'y a pas une autre qualification à donner qui est celle des groupes terroristes. Après le point des situations, un jeu de questions-réponses a ponctué cette rencontre où les attachés des défenses ont exprimé leur désolation et compassion à l'endroit des victimes frappées par la violence. À l'issue de cet échange, le secrétaire général a dissipé tous les malentendus et levé l'équivoque sur certaines informations diffusées sur plusieurs plateformes par les agresseurs. Cette rencontre a été spécialement organisée pour permettre à nos partenaires de recevoir l'information de la bouche autorisée et la vraie information. Car nous nous trouvons en face des médias, en face des réseaux sociaux, en face qui diffusent n'importe quoi et chacun invente son information. Ce que vous avez entendu ici, voilà la situation que les Congolais traversent. Et c'est là le message que vous pouvez apporter auprès de vos gouvernements pour que nous puissions cheminer en tant que partenaires pour rendre la paix que notre population a besoin. Signalons que les attachés des défenses ont exprimé leur satisfaction au vu du point des situations fait par le général Chinyambo John. Une prise de photos souvenirs a marqué la fin de cette rencontre. La cellule opérationnelle pour la conduite des opérations dans la province du Nord Kivu a tenu une réunion avec la MONUSCO ce vendredi 15 juillet 2022 à Goma sous le commandement du lieutenant-général Yav Iron Philemon, commandant des opérations. Il faut retenir que la délégation de la MONUSCO était conduite par le général Savana des nationalités françaises. À l'ordre du jour, la réactivation de relations entre la MONUSCO, partenaire privilégié des forces armées de la République démocratique du Congo et la nouvelle cellule opérationnelle dans tous les domaines. En outre, l'appui de la MONUSCO dans les opérations conjointes avec la force de l'EAC pour la protection des civils et le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, plusieurs autres questions étaient abordées, notamment les échanges d'informations à temps opportun sur la collaboration mutuelle. C'est à cette occasion que le commandant des opérations a encouragé la tenue hebdomadaire de réunions entre les deux institutions. D'une organisation de réunions une fois par semaine, si je ne me trompe pas, c'est entre jeudi ou vendredi, je me suis dit que c'était une bonne chose, de façon à pouvoir échanger. Mais là, ce n'est plus le cas, parce que nous sommes tous unanimes à cette question que les Rwandais sont entrés au Congo officiellement et apportent son soutien officiellement. Débuté à 11h, la réunion a pris fin à 12h30, heure de Goma. La délégation des officiers de l'Est African Community, avec à sa tête le général de brigade Kenyan Nyagba, est bel et bien arrivée ce lundi 18 juillet à Rutshuru. Elle a été accueillie par le général de brigade Clément Bitangalo, nouveau commandant du secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Venu pour s'imprégner de la situation sécuritaire à Rutshuru, avant le déploiement de la force sous-régionale, la délégation a eu droit à un briefing du commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2. Nous avons
Signalons que cette délégation était composée des officiers kenyans, sud-soudanais, burundais et ougandais. De 14 membres de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, sous la conduite du général de brigade Geoff Niaga, a effectué une visite de travail ce vendredi 15 juillet 2022 à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, basé à Dungu, territoire situé à 210 km à l'est d'Issiro, chef-lieu de la province de Haute-Ouélé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accord de Nairobi, signé le mois dernier, où les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est se sont convenus d'envoyer une force régionale pour accompagner le gouvernement congolais à lutter contre les atrocités causées par des groupes armés nationaux et internationaux dans l'est du pays. À son atterrissage dans l'aéroport de Dungu, l'équipe du général Niaga était accueillie par le général de brigade Moyora Birichard, commandant ad intérim du secteur opérationnel Ouélé, entouré de membres de son état-major. Et après, les 14 membres de la dite délégation ont pris part à une séance de travail de 2 heures dont la salle des opérations de l'état-major du secteur aurait servi de cadre. Au cours de cet entretien, le général Moyo a présenté la situation tactique de sa zone de responsabilité. Par ailleurs, le général Niaga a signifié que l'objectif de sa visite est de faire une reconnaissance adéquate afin de déployer ses forces. Il a précisé que le secteur opérationnel Ouélé sera accompagné par l'armée sud-soudanaise dans la traque des régidis Elera et les braconniers internationaux. Après ces assises, la délégation des forces de la communauté d'Afrique de l'Est s'est envolée à Bunia pour la même mission. Le premier président de la Haute Cour militaire a réuni jeudi 14 juillet 2022 au Nouveau Palais de Justice à Kinshasa une délégation des chefs de juridiction militaire de la République démocratique du Congo. Le lieutenant général Mutombo Katalay Tchende Joseph s'est adressé à ses magistrats militaires sous ses ordres en marge de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature organisée à Kinshasa du 5 au 13 juillet 2022. Dans son speech, le numéro 1 de la haute juridiction des forces armées a invité ses collaborateurs à redoubler d'ardeur partout où ils sont affectés pour mériter la confiance de la hiérarchie. Le général Mutombo a profité de cette occasion pour se rendre compte des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'accomplissement de la mission leur assignée, celle de juger leurs semblables à travers le pays. Non pas pour parler de ce qui a été fait à l'Assemblée générale, mais c'est plutôt pour parler de, je dirais, du fonctionnement de nos juridictions. Je n'ai pas pu lire vos rapports d'activité, le rapport que vous avez déposé là-bas. On aura le temps de le lire. Et je crois que les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes. Le porte-parole de la délégation, le colonel magistrat Kabeyayan Ben, premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, a, au nom de tous les chefs de juridiction, remercié le premier président de la Haute Cour militaire de tous les efforts qu'il déploie pour améliorer les conditions sociales et de travail des magistrats militaires. Il a promis une prompte et bonne exécution des recommandations du chef par ses collègues. C'est la prime de commandement qui arrive et c'est vraiment une bouée de sauvetage pour les concessions qui ne recevaient pas avant et qui reçoivent depuis quelques mois. Et c'est là, mon général, que nous tenons ici au nom de tous les chefs de juridiction. Et nous avons compris vos recommandations et nous vous rassurons de notre détermination à continuer à travailler dans la discipline. Une photo de famille a été prise au siège de la Haute Cour militaire pour clôturer la journée.